Action. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je reviens comme une petite fleur, je vous ai un petit peu abandonné. Mais vous inquiétez pas, là je reviens avec du lourd. Vous m'avez connue en tant que Fatou, qui avait créé sa marque de cosmétiques, mais là il y a du nouveau dans ma vie. Pour ceux qui tomberont sur ma chaîne sans me connaître, je vous fais une mini présentation pour connaître mon univers. Alors moi je me présente, je m'appelle Fatou, j'ai 24 ans, bientôt 25. Seigneur, c'est de mon anniversaire. C'est la douleur d'en souvenir. Je l'ai noté, hein. Oui. Sérieux? Oui. Bientôt 25, maman d'une petite fille qui s'appelle Jalia. Je suis créatrice de la marque de cosmétiques FM Cosmetics. Je suis coach en entrepreneuriat. Ce qui est bien, c'est que nous, on touche à plusieurs secteurs. Vous allez voir le secteur du prêt-à-porter, de la lingerie, de la cosmétologie. Il y a quoi d'autre comme secteur? Vraiment, on touche à tout. Pour celles qui veulent se lancer dans le prêt-à-porter, vous verrez un petit peu les processus de création d'une marque de vêtements, d'une marque de cosmétiques, d'une marque de maquillage. Enfin bref, vous verrez tout l'envers du décor d'une création de marque par différents clients, par différents thèmes, par différentes stratégies. En tant que femme ambitieuse et en tant que femme entrepreneur, j'ai longtemps cherché un concept sur YouTube qui me correspondait, un concept 100% business, mais que je n'arrivais pas à retrouver. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un contenu motivant à travers des influenceuses qui avaient leur activité, qui faisaient des vlogs, mais je restais sur ma faim parce que je ne voyais pas ce côté entrepreneuriat, ce côté business, ce côté ambition. Et du coup, j'ai eu une idée. Du coup là c'est le lieu du tournage. Le lieu du tournage c'est hyper beau. Du coup comment tu te sens? Ça va? T'es prête? Ça va. Pas trop stressée? C'est la première fois que tu fais ça? Ah ouais? Ok, ça va bien le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Franchement c'est trop beau. J'aime trop le backstage. Ça rentre vraiment dans notre ligne éditoriale, marketing, naturel, etc. Enfin bref, c'est trop trop beau. Grâce, comment sens-tu ta création de contenu? Ça va le faire? Là, pour le site internet, ça va péter ou pas? Ah, ça va péter. Ça va péter. Bon, les créatrices Azila, comment on se sent aujourd'hui? Tu veux filmer ma tête de 3h du matin. Donc là, on est avec les créatrices d'Azila. Comment tu te sens, Fatma? Bah, contente. Surexcitée. Surexcitée. Ouais. Donc aujourd'hui, les filles, comme je vous ai dit, c'est la partie commerciale, voilà, la vidéo commerciale pour une de nos clientes qui font des savons, voilà. On a Grâce à la prod. Grâce, elle s'y colle. Doucement. Alors ça a été? C'est super bien. Ok, super. Bah en tout cas t'as géré ma belle. Bah tu rentres bien. Oh mais on a vieilli mon jeu. On a dû rester pro, hein. On a dû rester pro. La vidéo commerciale s'est super bien passée, le vidéaste était extra, la modèle extra, tout s'est passé comme prévu, on a hâte de voir les résultats. Là maintenant ça y est, on a fini, tout le monde est rentré, nous on est resté pour peaufiner les derniers détails et ça y est, on rentre.
cas, aujourd'hui, nouveau jour, je viens de déposer ma fille chez la nounou. Aujourd'hui, nouveau bureau. Nouveau bureau. Je suis trop contente. Imaginez-vous dans l'ascenseur, il s'arrête à quelqu'un. On va arrêter la caméra. Grave. Donc là, on a Action. On est en train d'acheter des décos pour l'entrée du bureau. Il n'y a pas grand chose en vrai. Après, on n'a pas fait le tour du magasin encore, mais il n'y a pas tout ce qu'on voulait. Mais bon, de toute façon, on va acheter petit à petit. Donc là, on est à Ikea. On va récupérer nos bureaux. Inch'Allah. Imagine, il n'y en a plus. Imagine, il n'y en a plus. Encore, j'espère trop. Du coup, voilà. Hey, mais les prix des fauteuils qu'on veut, hyper cher. Comme quoi, meublé, ça coûte cher. Hey, mais Ikea, ils faisaient des tables basses en vrai. On n'est pas venu regarder. Bon, on a déjà trouvé la nôtre. Mais hey, celle-ci, c'est pas la tienne. Elle ressemble à la tienne. Purée des pommes d'été. Ah ouais? Je connais quand même ces trucs. Mais toi, tu connais Ikea par cœur. Je sais pas si tu as travaillé ici. Je dois travailler ici. Elle connaît ce truc. Ouais, de ouf. Super, il y a rien. Ouais, il est mignon. T'es prête? Ouais, vas-y. 1, 2, 3. Hey, meubler un bureau entier, les gars, ça coûte quelque chose. On a fait. Non, c'est trop. Hey, c'est trop. Non, franchement, les fauteuils, ils sont lourds. Ouais, on prend celui-là. Ah, ouais. Mais celui-là, il est magnifique aussi. J'hésite. Mais il faut qu'on l'essaye, ouais. Faut l'essayer. Mais celui-là, là, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je crois que je vais prendre celui-là. 129. C'est pas la même chose, c'est ça? C'est ça en noir. C'est ça en noir? Ouais. C'est celui-là en noir. Ouais, ouais, c'est juste que c'est pas le même confort, mais... Oui. T'en penses quoi? Non. Ah ouais? Non. Pourtant, il est plus cher. Hein. Non. Celui-là, qu'on s'assoit, il a un truc. Ouais, c'est vrai. Il a un truc. En plus, je trouve le design, il est magnifique. Hein. Non, celui-là. Ah ouais? Assieds-toi, tu vois. D'accord, attendez. Assieds-toi. Ah, machallah, je préfère l'autre. Ouais, c'est vrai. Non, celui-là, en fait, il est plus rigide, on dirait. Il est rigide. Ouais, il est rigide. Du coup, là, on a trouvé notre table. Et c'est celle-ci. En plus, elle est bien large, bien grande. Non, ça, c'est un truc de prisonnier, ça. Non, mais c'est pas ça pour te dire qu'on a assez de place pour faire rentrer. Oui, 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 oui. Tiens-moi comment il est grand, le bureau. Oh, on va prendre ça, là. Ouais. On va prendre celle-ci. Et on devrait pas prendre un petit caisson, là. Mais, hein? Je sais pas. Moi, je sais que toi, quand on prend une question, mais... Ouais, prends photo la ref comme ça. On va descendre. Ah, 140 à 160. Oui, parce qu'il prend pas toute la table. Mais, en fait, il faut juste regarder le bureau. Si, c'est bon. Ah, mon... 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 Seigneur, t'es malade dans ton cerveau. C'est celui-là que je ne trompe pas. Mm-hmm. On monte où? Ah là. Fermé? Non, c'est fermé. C'est fermé derrière. Mais c'est le coffre. Enfin, ah, c'est le. Il est ouvert. Je sais pas, je pose la question. Oh, j'ai fermé. Non, il a fermé. Mais arrête de le mettre le doute. Grâce. C'est la première fois que je me prends ce genre de voiture. Moi aussi, c'est la première fois. Oh, les escaliers, c'est pour nous tuer. Donc là, les filles, je vous montre. Hop. Le bureau. Donc il est comme ça. Je suis trop contente.
Du coup, le monsieur, il nous a tout monté. Maintenant, nous, on va monter les meubles. Hein. On va se débrouiller comme des grandes filles. Hein, en espérant qu'on puisse bien le faire. Je pense que je n'en doute pas une seconde. Des femmes entrepreneurs comme nous devraient quand même... Eh, mais regardez, s'il vous plaît. Le ciel, il est bleu, ensoleillé. On a une belle vue. On a la clim. On a la clim. On a la téléphone. C'est très important. Là, les filles, pour toutes celles qui viennent de vous découvrir, qui ne savaient pas, on avait des bureaux avant à Saint-Denis. Si j'ai quelques clichés, je vous mettrai de photos là. Et en fait, le bureau, il était trop petit. Et là, bah, non, il nous fallait un plus grand espace parce qu'il y a la partie laboratoire, il y a la partie graphisme. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure des équipes, au fur et à mesure du vlog, vous comprendrez un petit peu ce qu'on prépare, ce qu'on propose. Et du coup, il nous fallait un local plus grand. Et je me suis dit, nouveau départ, je reprends ma chaîne YouTube, tout, tout, tout. Bon, là, j'ai une sale gueule, j'ai les lèvres sèches. Donc voilà, c'est un nouveau départ, un plus grand espace, comme vous avez pu le voir. Là, on va monter les meubles. Et on vous montrera le résultat. Ok. Je pige rien. Je n'ai pas commencé à lire. Du coup, les filles, là, on ne sait pas trop comment on va aménager les bureaux. Non, c'est vilain en vrai, grâce. Hein? Mais en fait, nos tables, elles sont archi larges en largeur. Elles sont larges en largeur. Bah, il n'y a pas assez d'espace entre les deux, en fait. Ah oui. Ah ouais, mais ça fait tout de suite mieux. Mais qui va se mettre comme ça? Grâce. Moi, je peux pas, je vlog. Moi non plus. Au pire, c'est simple. Ouais. Et oui, bah oui. Le contre-jour, c'est. Bah oui. Pour moi, c'est un carnage. Mais en fait, c'est totalement ce qu'il faudrait, en fait. C'est l'idée que j'avais eu dès le début. Hein. Je sais. Non, c'est totalement ce qu'il faudrait. Mais le problème, c'est que personne ne va être à contre-jour. Tu vois, même comme ça, même si ta table est collée à la mienne, toi, ça ne te dérangerait pas, mais tu auras assez de place ici pour accueillir tes clients. Non, on colle pas nos bureaux. Ah, c'est bon. Non, j'ai pas un grand bureau comme ça pour que ce soit collé. Non, mais les filles, ici, je suis à contre-jour, c'est trop nul. Regardez les lampes au plafond. Elle, la hauteur sous plafond, elle est incroyable. Incroyable. Par contre, moi, je suis pas corda, là. Faut qu'on... Au pire, on reste face à face. C'est pas dérangeant, en vrai, meuf. Mais toi, c'est toi qui es client, frère. Mais de toute façon, si j'ai mes clients... Il est hors de question que je fasse une formation avec mes clients, alors que vous êtes toutes les trois là et je suis comme ça avec mes clients. J'irai dans d'autres salles pour mes formations. Oui, je serai obligée. Alors, les filles, là, on est lundi. On est quand déjà aujourd'hui? Le 10 avril. On a monté pas mal de choses. Ça a beaucoup changé, moi, je dirais. Il y a Amira qui a rajouté son bureau. Moi, finalement, mon bureau, je l'ai mis là. C'est un peu le bordel. Mais, il est tombé. Donc voilà, bah, il y a plein de cartons que nous devons jeter. Il y a deux étages sans ascenseur. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Et on est juste deux petites femelles sans énergie qui devront transporter tout cela. Ta clé, je l'avais mis. Ah, ok. Donc, du coup, voilà, bon, on n'a pas fini la déco, mais en tout cas, ça avance petit à petit. Si toi t'as voulu porter les grands comme ça là. Ayago. On va descendre là. Seigneur bon Dieu. Imagine le téléphone autour de moi. Arrête tes bêtises. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on est mercredi 26 avril. J'ai rendez-vous avec une cliente. Elle souhaite lancer sa marque de location de robes de soirée et de mariée. Elle est partie en Turquie. Je lui avais donné quelques contacts en Turquie pour qu'elle aille voir, etc. Donc elle allait voir d'elle-même. Et du coup, bah, là c'est notre rendez-vous formation pour toute la partie création d'entreprise. Donc là, il faut que je prépare le bureau. On a rendez-vous à 14h30.
Il est 14h30, elle n'est pas encore arrivée, donc en attendant, je vais préparer le bureau, j'ai acheté des petites choses, j'ai acheté quelques pâtisseries, des bouteilles d'eau. Là, je suis en train de préparer le bureau, ça c'est mon téléphone pro, hop, mon sac à main. J'ai accroché, ça je retire, voilà, j'ai préparé le bureau, j'ai ramené cette chaise parce que là c'est les chaises qu'on a en attendant mais elle est vraiment moche. Du coup voilà, ma collaboratrice elle n'a pas encore ramené ses affaires pour son bureau. Du coup là l'entrée, il y a encore tout ça, faut que je mette ailleurs. Et avec quoi dans ça? Ouais d'accord, ça a jeté. Et là, bah, j'ai pris la chaise qui était derrière cette petite table. Donc voilà, en fait il faut que je retire ça là. Et ça... faut qu'on le cache sur le côté. C'est plus joli. Voilà, qu'on le mette à l'arrière comme ça. Comme ça, il se voit moins que s'il est là. Et du coup, l'autre aussi, ouais, mais ça gâche un peu le... Ça gâche grave le plan. Je le mettrais dans ce coin-là plutôt. Ou dans l'autre bureau. Ouais, dans l'autre bureau. Comme ça, l'entrée, elle reste jolie. Hop. Où je peux mettre ça? Là, pour l'instant, on va le mettre là. Parce qu'elle n'a pas encore ramené ses affaires. Hop. Mais les filles, deux étages sans ascenseur. Ouais, c'est quelque chose. Piré. Ça se voit, je fais pas de sport. Bon, la cliente, elle vient d'arriver, donc je vais aller la chercher. Je pense pas que je vais filmer le rendez-vous quand même, mais peut-être qu'à la fin, je vais vous filmer son ressenti, si elle est satisfaite ou pas. Après, ça dépend, il y a des clients, ils aiment bien être filmés, il y en a d'autres, ils veulent pas. Donc voilà, donc je sais pas si je vais vlogger encore aujourd'hui, sinon ça va être un prochain jour. Bon les filles, je viens de finir ma formation avec ma cliente, ça s'est super bien passé. Du coup, je vais vous faire un, elle va vous faire un petit retour de sa formation, de ce qu'elle en a pensé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ta formation? C'était super, une formation hyper enrichissante. Même quand on connaît des choses, on en apprend encore et ça permet de bien se lancer. C'était top, 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 top. Merci. Est-ce que tu la recommandes du coup? À 100%. 100% et à tout le monde, que ce soit garçon, que ce soit femme, venez, venez, vous allez en apprendre. Hello! Alors aujourd'hui, on est le lundi 22 mai. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, clairement, pour vous dire la vérité. Ces derniers temps, j'avais pas mal de rendez-vous. Ça faisait un moment que j'étais pas venue au bureau. Alors aujourd'hui, je suis venue au bureau parce que j'avais pas mal de travail à faire. Déjà, une bonne nouvelle, j'ai trouvé un nouveau collaborateur avec qui je vais travailler sur tout l'aspect mode. Donc j'ai trouvé un atelier de couture. Voilà, un jeune monsieur qui travaille dans la mode depuis plus de 10 ans, qui est diplômé de Bac plus 8 dans la mode, enfin vraiment un monstre, qui a déjà habillé des artistes, vraiment quelqu'un qui est, you know, il en place le goût, vous avez capté? Donc voilà, un très très bon collaborateur, donc on va organiser une formation ensemble, donc lui et moi on va animer une formation le 24 juin, le samedi 24 juin, je ne sais pas si le vlog sera sorti avant ou pas, mais il faut bien, je pense, parce que sinon l'épisode là il va être trop long. Donc je sais pas si je vais m'arrêter aujourd'hui, si je vais encore tourner, je sais pas trop où j'en suis, c'est mon premier business vlog, donc voilà. Et donc aujourd'hui là je suis venue au bureau pour tourner une petite vidéo promotionnelle, pour faire la promo de cette formation de groupe. Donc ce sera une petite formation de groupe de moins de 10 personnes, voilà. Et elle aura pour but d'accompagner toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création de sa propre marque de vêtements. Donc voilà, j'en avais marre de travailler avec des grossistes. Je voulais que mes clientes aient la possibilité de créer leurs propres vêtements, qu'elles puissent dessiner leur propre création. Je le fais déjà avec le laboratoire. En soi, elles créent leurs propres produits, leurs propres compositions. Et c'est vrai que dans le prêt-à-porter, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Donc, je suis super contente. Deuxième petite chose, je reprends ma marque de maquillage. Donc vraiment, en ce moment, en fait, j'ai trop de trucs en tête, j'ai trop de trucs à faire. Plus mon rôle de maman, mon rôle d'épouse, vraiment un planning surchargé. Voilà, un planning surchargé. Je reprends ma marque de maquillage.
Ma graphiste va me faire mon site web. Je dois faire aussi un site web pour ma marque de coaching. Parce que du coup, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, mais là, nos tarifs, ils vont évoluer. Parce que voilà, c'est mon travail à temps plein. Il y a une qualité de service derrière. De toute façon, c'est pour ça que je vous fais aussi ce business blog, pour que vous puissiez voir tout le taf qu'il y a derrière. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je ne tourne pas trop, mais parce que je tourne encore avec mon téléphone. Donc là, le but, c'est de pouvoir récupérer une caméra pour pouvoir vous vlogger plus souvent. Et c'est vrai qu'avec le téléphone, c'est un peu relou parce qu'il y a le stockage. Donc voilà, vu qu'il y a un stockage limité, je ne peux pas trop filmer en fait. Donc là, j'ai plein de choses à faire en même temps. Je ne sais même pas où mettre la tête en fait. Je ne sais pas où mettre la tête. Mais par la grâce de Dieu, je suis épanouie dans ce que je fais, dans mon activité. Donc je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre d'être débordée par mon travail. Au contraire, c'est une bénédiction. Je pense que le vlog, je vais l'arrêter là. Pour le premier épisode, voilà. Pour le premier épisode, je pense que là, il y a pas mal d'informations. J'ai fait pas mal de choses. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le deuxième épisode pour que vous puissiez voir la suite, l'organisation de la formation de groupe sur la mode. Ce qui est bien avec cette formation, en plus, c'est qu'on va se déplacer directement avec les élèves dans les ateliers de création. Voilà, dans les ateliers de création. Donc, ça va permettre de faire une petite immersion et tout. Genre, j'aime trop mon métier, j'aime trop ce que je fais. De toute façon, ouais. Je pense que ça va se ressentir au fur et à mesure des épisodes. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que vous aimerez le concept, que vous voudrez en voir plus. Je sais pas. En tout cas, dites-moi, ça m'encouragera à beaucoup plus tourner, à vous fournir encore plus de la matière, de la qualité. De toute façon, là, je suis en train de faire la création de mes futurs produits. Donc là, je vais refaire mes bronzers, refaire mes blushs. J'ai changé le packaging de mes glosses. Là, il faut que je retravaille sur le design. Là, je dois travailler dessus pour l'envoyer à mon fournisseur pour qu'il puisse valider avec leur designer et après faire les impressions. Donc voilà. Je suis passionnée par ce que je fais. J'espère que cet épisode va vous permettre de voir un petit peu mon quotidien dans le travail, mon emménagement, nos douleurs, nos stress, nos joies. Hein. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour de nouveaux épisodes.